Blue, est-ce que tu veux jouer à la balle? Non? D'accord. À quoi as-tu envie de jouer? Oh! Je sais! On va jouer au jeu de Blue pour essayer de deviner à quoi Blue a envie de jouer dans le jardin. J'adore le jeu de Blue. On va jouer au jeu de Blue! Car ce jeu est super! Voilà, donc on va jouer au jeu de Blue pour deviner à quoi Blue a envie de jouer dans le jardin. Oh, et petit rappel, Blue laissera des empreintes sur les indices. C'est le jeu de Blue. Oups! C'est vrai, il faudrait peut-être qu'on s'occupe de celle-ci d'abord. Oh, je sais. Et si on lui donnait un peu d'eau, hein? Ceci devrait faire l'affaire. Bien. Wow! De quoi a-t-on besoin pour le jeu de Blue? De notre joli et très utile... Bloc-notes! Bloc-notes, exact. Tu viens? Le jeu de Blue, j'ai hâte d'y jouer. Ça alors, petit tiroir, tu n'aurais pas un peu grandi? J'ai l'impression d'être plus grand. Oh, on peut vérifier ça tout de suite. Hop là! Oh! Wow! C'est vrai que tu as grandi. Tu as grandi de tout ça, tu te rends compte? Je te l'avais dit. C'est génial. Oh, merci. Tu sais, j'aurais besoin de ton aide pour m'aider à trouver à quoi Blue a envie de jouer dans le jardin. Tu veux bien m'aider? Génial. Pour jouer au jeu de Blue, il faut trouver... Une empreinte. Oui, une empreinte, c'est ça. Et c'est notre premier... indice. Oui, notre indice. Et puis on le dessine dans le... bloc-notes. Mets-le dans le bloc-notes. Quel est ce jeu? Le jeu de Blue. Cherchons une nouvelle empreinte. C'est le deuxième indice. Mets-le dans le bloc-notes. Quel est ce jeu? Le jeu de Blue. Recherchons la dernière empreinte. C'est le troisième indice. Mets-le dans le bloc-notes. Quel est ce jeu? Le jeu de Blue. Maintenant tu sais tout. Assieds-toi dans ce fauteuil à idées et réfléchis. Car si ta tête marche bien, que tu suis ton chemin, tu pourras réussir ce que tu veux, oui, tout. Super, on est tous prêts à grandir. Je veux dire, à sortir. Par où Blue est-elle grandie? Je veux dire, sortie. Par là! Oh. Par là? D'accord. Merci. Cherchons les indices de Blue. Il y a un indice! Tu as vu un indice? Oh! Oui! Où ça? Où est-ce que tu l'as vu? Là! Hey, je suis passé juste à côté. Le voilà. Nous venons de trouver notre premier indice et c'est de la terre. Oh, ou du terreau pour jardiner. Ah, et en plus c'est riche en nutriments. Intéressant. Donc, notre premier indice est de la terre. Hey, on va avoir besoin de notre joli et très utile... Bloc-notes. Bloc-notes, exact. Très bien, donc on a de la terre. On peut représenter une motte de terre avec des petits arcs de cercle sur le dessus. Une ligne droite pour le dessous et quelques petites taches. Et voilà, de la terre. Alors à quoi Blue aurait-elle envie de jouer dans le jardin avec de la terre? Alors là, je crois qu'on a besoin d'autres indices. Je n'y comprends rien. Presser ou... Pousser. Pousser? Allons voir ce qui se pousse. Oh, se passe, oula. Quel idiot. Bonjour, Josh. Bonjour, les poussins. Qu'est-ce que vous faites? Nous répétons pour le spectacle de la chorale. Tu veux nous aider? Évidemment, on a passé la journée à chanter. Oui. Merci. Merci.
Ram, ram, sur ton... Oh non! Tu peux nous aider? Quelle est la suite? Oui, bien sûr. Tu veux bien nous aider? Merci. Ram, ram, sur ton... Train. C'est les bonnes paroles? Non! Ram, ram, sur ta... bicyclette. Est-ce que c'est ça? Non! Ram, ram, sur ton bateau. C'est ça, les paroles? Oui! Oui, super! Merci de nous avoir aidés. Ram, ram, sur ton bateau. Doucement sur... Oh non! Tu peux nous aider à trouver la suite de la chanson? Oh! D'accord. Ram, ram, sur ton bateau. Doucement sur la terre. C'est ça? Non! Le ciel. Et là? Non! L'eau. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est moi. C'est l'eau. Oh, voilà les paroles, chère chorale. Oui! Ram, ram sur ton bateau, doucement sur l'eau. C'est tellement rigolo de glisser sur les flots. Lequel de ces poussins chante les bonnes paroles? Glisser sur les flots. Oh, moi! Sur les flots! Oui, moi, moi, oui, moi! Glisser sur les flots. Oui, on dirait que votre chanson est au point. Ram, ram sur ton bateau, doucement sur l'eau. C'est tellement rigolo de glisser sur les flots. Oui, c'était super. Oh, c'est vrai, tu as raison, Blue. Il faut qu'on rentre à la maison pour chanter notre... chanson la la la. Allez, suis-moi. Au revoir. Suis-moi. Tu entends ça? Oh! On dirait un piano. Un indice! Oh! Je dirais que c'est un piano. Un indice! Là, un indice! Oh! 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 Vous l'avez vu? Vous voyez l'empreinte de Blue? Oh! Où ça? Où est l'indice? Juste là! Oh. 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 C'est notre indice. Quelle est la chanson que Blue voudra chanter sur ces notes? Oh oui. Oh. Oh oui. Allons-y, ça va commencer. Ça va être génial. Je suis tellement impatient. Tu ne vas pas en croire tes yeux. Tu vois la scène derrière moi? Eh bien, c'est là qu'on va faire un grand concert. Ici même, dans notre jardin. Génial. Sympa, hein? Oh, tu as vu, c'est Blue. Ça va être génial. Blue, tu as trouvé l'endroit parfait. Tu vas être bien installée ici pour regarder le concert. Je suis impatient que ça commence. Josh, Josh. C'est Monsieur Cell. Il vient de me donner le signal pour que je lance le spectacle. Ça va commencer. Je sens que ça va être génial. Oui.
Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans le jardin. Faites du bruit pour le festival de musique. Le concert tant attendu de Blue et ses amis. Vous êtes prêts pour le concert? Je suis impatient. Je n'ai pas entendu, alors je recommence. Est-ce que vous êtes prêts pour le concert? Oui! Oui! C'est génial! Le spectacle peut commencer! Oh! Enfin, dans une seconde. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Blue? Le concert est sur le point de commencer. Blue, j'ai bien compris, tu veux chanter une chanson pendant le concert? Bien sûr, oui, si tu veux. Quelle chanson veux-tu chanter? Oh! Tu veux jouer au jeu de Blue? Quoi, maintenant? Mais le concert va commencer. Oh, et puis je ne peux pas résister. C'est d'accord, on va jouer au jeu de Blue pour découvrir quelle chanson Blue veut chanter au concert. J'adore jouer au jeu de Blue. À vrai dire, jouer au jeu de Blue, ça me donne envie de chanter. Génial. Merci. Un indice. Il y en a six? C'est vrai, ma guitare a six cordes. Non, un indice. Oh, un indice. Je n'ai pas rêvé. Tu as trouvé un indice? Oui. Un indice musical, donc? Oui. Un indice musical, génial. Où est-ce qu'il est? Il est là. Des notes de musique. Il y a une empreinte sur les notes de musique. Très bien. De quoi a-t-on besoin? De notre jolie et très utile... guitare! Guitare, mais oui, bien sûr. On a une guitare aujourd'hui. Elle est là. Très bien. Je vais à présent jouer cet indice à la guitare. Ah. Tu fredonnes l'air avec moi? Merci, tu es prêt? C'est parti. Ah. Je me demande quelle chanson ça peut être. Avec cette mélodie. Bon. Allons chercher... Oh. Et écouter d'autres indices musicaux. Oh, c'est vrai. Tu viens? Youpi! Il va y avoir une autre chanson. Oh, c'est un colis de ma grand-mère que j'aime tant. Oh, c'est une couverture toute douillette pour bien dormir la nuit. Pourquoi fait-il nuit d'ailleurs? C'est bizarre, c'est comme si quelqu'un avait éteint la lumière ou comme si quelqu'un nous avait enveloppés dans une grande couverture. Oh. Oui, c'est une excellente idée, Blue. On n'a qu'à bondir dans l'espace pour découvrir pourquoi il fait nuit. Transformons-nous en astronautes. Des astronautes avec de jolis pyjamas. Ou mieux... pom 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 pom. Transformons-nous... en pyjamonautes. Suis-moi. Blue bondit, nous aussi. Waouh! C'est parti, amis pyjamonautes. Notre mission est d'explorer le ciel étoilé pour essayer de percer le mystère de la nuit. Oh, d'où vient cette lumière? Allons voir. Oh, c'est le soleil. Bonjour, soleil. Mais qu'est-ce que tu fais debout en pleine nuit? Eh bien, je suis le soleil, une étoile qui ne s'arrête jamais de briller. Tu brilles tout le temps, de jour comme de nuit. Mais alors, pourquoi n'y a-t-il pas de lumière la nuit? Bonjour, Josh. Je peux peut-être t'aider? Mais qui es-tu? Je suis une planète très importante, celle où se trouve ta maison. Oh, tu es la planète Terre. Oh oui, je peux voir notre maison. Donc, notre maison est dans l'ombre,
ou dans la lumière. Dans l'ombre. Oh, elle est dans l'ombre. Exact. Mais pourquoi un côté est dans l'ombre et l'autre dans la lumière? Il est dans la lumière car je l'éclaire. Et de ce côté-là, c'est le jour. Mais je croyais que le soleil brillait tout le temps. C'est le cas. Mais seulement, je n'éclaire pas ta maison en ce moment. Comme tu le vois, ta maison est dans l'obscurité. Oh! Oh! D'accord. Tu as vu ça? De ce côté, dans l'obscurité, il fait sombre. C'est ce qu'on appelle la nuit. Exactement. Oh. Et de ce côté-ci, là où le soleil brille, c'est le jour. C'est malin, non? Oh, attends une petite seconde. Il ne fait pourtant pas tout le temps nuit là où se trouve la maison. Non. Comment se fait-il, à ton avis, qu'on passe de la nuit au jour? Psst, je vais te montrer. C'est dû à une chose que je fais. C'est parce que je tourne sur moi-même. Tu vois, quand je tourne de ce côté, ta maison passe de la nuit au jour. La Terre tourne sur elle-même. C'est comme ça qu'on passe de la nuit au jour et du jour à la nuit. On a fait une grande découverte, ami pyjamonaute. Donc je résume. Le soleil brille tout le temps et il apporte... de la lumière. Oh, c'est ça, de la lumière. Et la Terre, elle, elle n'arrête pas de... tourner. De tourner. Quand le soleil éclaire notre côté, c'est... le jour. Oui, le jour. Et quand le soleil éclaire l'autre côté, pour nous, c'est... la nuit. C'est ça. Parce que le soleil ne nous éclaire pas, donc on est dans l'ombre. C'est la nuit. Exact. Oh, il est tard, pyjamonaute. On ferait bien de retourner sur Terre. Au revoir. Tu viens? Oh! Oui, Blue! Faisons l'expérience du cyclone tous ensemble! C'est parti! C'est bon, Blue! Tu es prête? Parfait! On peut commencer l'expérience du cyclone! Alors, d'abord, nous allons remplir une des deux bouteilles en plastique avec de l'eau. J'ai hâte! Ça va être grandiose comme expérience! Quelqu'un a parlé d'une expérience? Il faut qu'on voit ça! Oh, regarde! C'est Soépel! Très bien! Alors, ensuite, on prend le ruban adhésif, on scotche la bouteille vide sur celle qui est pleine, comme ceci, en la tenant bien à l'envers. Voilà! Ah, j'ai cru entendre à l'envers! Oh. Boîte aux lettres! Attends un peu de voir le résultat! Dès que c'est scotché et que ça tient bien, on pourra les faire tourner. Oh, tout est prêt. L'expérience du cyclone va pouvoir commencer. Bon, bon, bon. Allez, attention. Je tourne, je tourne, je tourne. Oh, tu as vu ça? On dirait un vrai cyclone. C'était drôlement chouette. Ah, viens! C'est génial, tu m'as bien aidé, merci! On doit se quitter pour de bon, avec cette dernière chanson. Un grand merci à toi, car tu n'as pas baissé les bras. Si ta tête marche bien, que tu suis ton chemin, tu pourras réussir ce que tu veux, oui, tout! Oh, au revoir. J'ai déjà hâte que tu reviennes.